Ils vendent des housses pour voiture, pas très cher. Ils vendent des supports pour smartphone, c'est pas mal ça. Ils vendent des couvre-sièges pour voiture. Ils vendent des baladeurs en LED, 2,39€. Ils vendent des vêtements pour les petits-enfants, c'est pas mal. C'est tout petit, tous les petits actuellement, 2 à 4 ans. Exactement. Ils vendent ça, c'est rigolo, petite valise comme ça. Pour les enfants, c'est rigolo. Ils vendent ça aussi pour les petits, les trajets de 2 à 4 ans. Ils vendent aussi ça. Ils vendent aussi ça, qui est pas mal aussi, pour jouer pour les enfants. Des baby foot. Ils vendent des petits pour les enfants, de 2 à 3 ans. Ce qui est super bien, que j'ai vu. Ils vendent aussi ça, des pièces en bois, qui est pas mal du tout. Ce qui est bien, c'est ça. Un support magnétique pour le monde, pour connaître toute l'Europe. C'est l'Europe là. C'est en Europe et en monde. Et magnétique. Mais un truc que j'ai trouvé bizarre, c'est ce que j'ai remarqué, et un truc qui m'a un peu interpellé, si vous regardez bien, les amis, moi je suis pas de vin, quand même, il y a un truc qui m'a interpellé, regardez bien, il n'y a pas Israël, ils l'ont pas mis, comment ça se fait? Ils n'ont pas mis Israël, rien, il n'y a pas marqué Israël, pourtant c'est un état, pourtant ils l'ont pas mis, c'est bizarre, hein, regardez, il y a tous les pays du monde, mais ils n'ont pas mis Israël, regardez, il n'y a pas, il n'est pas marqué, c'est bizarre, hein. C'est bizarre, bizarre, bizarre. Iran, vous voyez, hop, il n'y a rien. Pas marqué. C'est bizarre. Hein.